Bonjour à tous et bienvenue dans cette pause culture gastronomique avec Valentin. Et Nicole. On a voulu donc cette parenthèse culture afin d'enrichir les connaissances pour pouvoir replacer dans des examens, des concours, des conversations, mais aussi des dîners mondains, pourquoi pas. Alors, c'est parti et on va démarrer de suite avec Valentin et le cristal. C'est parti! Alors, bonjour Nicole et bonjour à tous. Et merci de Bonjour. me faire participer à cette pause culture et gastronomie. Alors, le cristal, c'est du verre enrichi en plomb. Le plomb va apporter de la brillance au verre, un son et un éclat très particulier. Il apparaît au XVIIe siècle, pardon, en Angleterre. L'histoire est sans doute plus ancienne, car on a des lentilles en cristal qui ont été utilisées pour les yeux du pharaon Rahotep 26 siècles avant notre ère. En France, la fabrication arrive au milieu du XVIIIe siècle, à la verrerie de Munstall, devenue verrerie royale de Saint-Louis, sous l'impulsion de Louis XV, et cette verrerie va rapidement devenir un fleuron de l'économie française. La qualité du verre pour la table, elle, n'arrive qu'au XVIIIe siècle avec le cristal de Bohême. Alors, le cristal de Bohême, on est en République tchèque, c'est une variété de verre à l'oxyde de plomb transparent et clair, comme le cristal de roche. C'est la pierre reine la plus utilisée de par sa pureté et sa transparence. Un second cristal qui est très connu, le cristal de Baccarat. La création, dans la création à Louis XV, en 1764, Baccarat, on est en Lorraine. Au départ, c'est une fabrique de gobelets, de verres, de miroirs, mais pas de superbe qualité. On va ajouter la couleur par la suite, le bleu céleste et le rouge passion, qui deviendra l'emblème de la maison Baccarat. Et pour reconnaître un objet Baccarat, donc vous avez l'image sur la diapositive avec la signature Baccarat et le cercle dans lequel on retrouve un verre, une carafe et un gobelet. Quelques créations, on retrouve notamment des lustres, comme sur l'image dans la diapositive, des bougeoirs, des vases ou encore des verres. Une idée de prix, une collection de verres Harcourt 1841, de la maison Baccarat, à 195 euros pièce. Et quelques maisons de cristal. On retrouve Saint-Louis en Lorraine, Dôme à Nancy, Lalique en Moselle ou bien Baccarat en Lorraine. Merci beaucoup Valentin pour ces explications. Alors moi je continue avec la fourchette. Donc la fourchette, on connaît tous cet instrument puisqu'on le trouve en métal, en bois, en plastique, mais aussi évidemment jetable. Donc la fourchette en fait existe depuis la Rome antique. Au Moyen Âge, elle existe déjà, mais elle était très peu utilisée puisque les gens préféraient manger avec les doigts. Et puis, ils utilisaient les fourches, en fait, ce qu'on appelle fourchette, ça vient du mot fourche, pour piquer les viandes et prendre avec la pointe du couteau aussi les différentes viandes. À cette époque, les fourchettes étaient synonymes de luxe parce que le manche, en fait, de la fourchette était très richement décoré en ivoire et en cristal. À la Renaissance, donc au XVIe siècle, elles servent uniquement pour saisir les viandes dans les plats. Et en Italie, elle servait en priorité à consommer des pâtes, mais aussi à découper les viandes par celui que l'on appelait l'écuyer tranchant. En France, elle apparaît à la cour en 1574 avec uniquement deux dents, et puis là, vous pouvez le retrouver au niveau du diapo. C'est la puissante Catherine de Médicis, donc italienne et épouse de Henri II, qui a introduit la fourchette déjà, qui était déjà très à la mode en Italie. On peut voir en bas là, du diapo, on peut voir une dame avec un grand col, donc ça s'appelle une fraise. Et on a pu voir en fait tout l'intérêt de la fourchette, donc de la fourche, puisqu'on piquait les viandes et les différents mets avec la fourche et on pouvait l'apporter à la bouche sans tâcher le col. Donc, la fourchette à trois dents après va apparaître. Et à la table du roi Louis XIV, chaque personne avait une fourchette à sa gauche de l'assiette, mais ne l'utilisait pas. Pourquoi? Parce que Louis XIV préférait manger avec les doigts qu'il posait sur une serviette humide entre chaque plat. Pour finir, sachez que le clergé, jusqu'au XVIIIe siècle, voyait la fourchette comme l'instrument du diable, car elle incitait au péché de gourmandise. Alors, merci Nicole pour cette histoire sur la fourchette et on va maintenant la mettre sur la table.
Exactement. Allez, je continue, Valentin. Donc, je retourne au Moyen Âge pour une expression qui est très utilisée, qui est mettre la table. Comme tout le monde le sait, cela consiste à dresser une table pour le repas. Mais si l'on reprend l'expression en elle-même, au sens propre, mettre la table est une fourchette qui est une formule, pardon, qui est très surprenante. Donc, au Moyen Âge, les châteaux n'avaient pas de lieu qui était dédié comme nous on a aujourd'hui, avec des salles à manger, avec du mobilier spécifique. Et à cette époque, les repas étaient constitués de beaucoup, beaucoup de personnes, et cela demandait une table qui était très, très grande. C'est pour ça que les servants, avant le repas, disposaient des tréteaux avec une grande planche, et puis mettaient des nappes dessus, installaient les couverts, etc. Et à la fin du repas, ils démontaient l'ensemble du mobilier qui était utilisé pour manger. C'est pour ça qu'on a appelé ça « mettre la table », puisque à l'époque, on souhaitait garder beaucoup de place dans les caisses du château. Donc, cette expression de « mettre la table » est donc restée en site. Allez, Valentin, je te laisse poursuivre. Alors, merci Nicole pour cette explication autour de mettre la table. Et j'en viens maintenant à vous parler d'Auguste Escoffier, qui est né en 1846 et mort en 1936. Escoffier, il va débuter sa carrière à l'âge de 13 ans dans les cuisines de son oncle à Nice. Sa carrière va durer 63 ans. C'est le premier cuisinier qui est fait officier de la Légion d'honneur. Il est surnommé le cuisinier des rois et le roi des cuisiniers. Escoffier, c'est vraiment le précurseur de la cuisine moderne et un novateur, car elle va réformer les méthodes de travail en cuisine, en simplifiant notamment et en codifiant la cuisine et les menus. Il a travaillé au Carlton de Londres, au Ritz à Paris et au Grand Hôtel de Monte Carlo, qui est un quartier de Monaco. Escoffier, c'est vraiment l'un des plus grands chefs de tous les temps. Il va notamment remettre en cause certaines recettes traditionnelles dans le domaine des sauces, où on verra l'apparition des fumets, des jus et des concentrés. Quelques ouvrages, car il en a écrit énormément. Les principaux, on retrouve le Guide culinaire, qui est paru en 1903, qui est toujours aujourd'hui une référence de base pour les professionnels, qui compte 5000 recettes. Ce guide est constamment réédité. Et un second, l'aide-mémoire culinaire, qui lui va faciliter la tâche des personnels de restaurant, tels que cuisinier, maître d'hôtel ou bien chef de rang. Et quelques recettes d'Escoffier les plus célèbres que sont la pêche Melba, les crêpes Suzette, la poire belle Hélène ou bien l'île flottante. J'adore ça, ces desserts. Merci beaucoup, Valentin. Alors, moi, je continue avec Alexandre Dumas, que vous pouvez aussi voir comme Auguste Escoffier en photo. Donc, Alexandre Dumas, tout le monde sait que c'est l'auteur des Trois Mousquetaires. Et il est aussi connu pour avoir écrit un dictionnaire qui est très riche, avec environ 3000 recettes et plus de 500 gravures de photos d'époque. Ce dictionnaire fut le dernier ouvrage d'Alexandre Dumas, puisqu'il l'a écrit dans les 20 dernières années de sa vie, mais il a été publié uniquement 3 ans après sa mort. Donc, la maladie empêchait Alexandre Dumas de trop manger et de trop boire, et il souhaitait indiquer dans ce manuscrit, enfin dans ce dictionnaire, je cite, « tous les moyens de manger mieux dans les pays où l'on mange mal et de manger tant bien que mal dans les pays où l'on ne mange pas du tout ». Donc, en dehors de ces recettes, on peut lire des histoires, par exemple, les dîners de chez Méot, qui est le successeur de Vatel, qui travaillait chez le prince de Condé, et leurs volailles au gros sel servies sur des petites tables de marbre. Donc, cet énorme dictionnaire que l'on trouve avec beaucoup de difficultés actuellement, qui est sans doute la plus grande œuvre d'Alexandre Dumas. Alors, on continue ensuite, Valentin, avec vivement de pouvoir aller sur les terrasses. Eh oui, Nicole, effectivement. Merci pour cette belle biographie d'Alexandre Dumas, que j'ai découvert également. Et je vais vous parler, moi, des deux Magots, qui se trouvent dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Deux Magots, c'est-à-dire deux figurines chinoises. Les deux Magots, à l'époque, c'est un magasin de nouveautés qui est fondé en 1812 et qui va occuper les lieux jusqu'en 1885. Par la suite, c'est un café qui succède à la boutique. Et le café va conserver l'enseigne et les deux statues. Alors, les deux Magots, c'est vraiment le rendez-vous des intellectuels. On trouve des poètes comme Rimbaud, Verlaine, des auteurs comme Sartre, Simone de Beauvoir, Picasso ou encore Aragon. Le café va vraiment jouer un rôle important dans la vie culturelle parisienne. Aujourd'hui, c'est un des plus anciens cafés de Paris. Et encore aujourd'hui, des personnalités du monde de la littérature, des arts, de la mode, de la politique
et bien sûr des touristes de passage s'y retrouvent. Il faut savoir que le décor et le lieu sont repris dans de nombreux films pour représenter Paris aux yeux du monde, comme dans le film Rabbi Jacob, où l'un des protagonistes se fait enlever à l'arrière du café par la police secrète, où joue notamment Louis de Funès, tourné en 1973, ou plus récemment le film Intouchable avec Omar Sy et François Puzel en 2011. Et une anecdote sur les deux magots, le réalisateur américain de Star Wars a révélé qu'il était allé chercher l'inspiration aux deux magots pour l'écriture du septième épisode. Merci Valentin, mais vivement qu'on puisse réintégrer les terrasses. Quel bel endroit que les deux magots. Alors, on continue avec la soupe VGE que j'ai eu la chance de goûter. Et ça n'a pas été tel cas encore pour moi, mais j'espère un jour la déguster à Merci. l'auberge de Collonges, donc la soupe VGE. VGE pour Valérie Giscard d'Estaing, elle est créée par Paul Bocuse en février 1975. Lors de la remise de la Légion d'honneur par Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République de l'époque, à Paul Bocuse. Alors cette soupe, elle est servie lors d'un banquet à l'Élysée et Paul Bocuse dit à son hôte, je le cite, Monsieur le Président, on va casser la croûte. Alors la soupe VGE, elle est composée de truffes noires, de foie gras, de blanc de poulet poché, de noisy prat, de consommé de bœuf ou de volaille et des légumes tels que carottes, oignons, champignons. Elle est ensuite servie, elle est servie dans un bol tête de lion. Elle est recouverte par un disque de pâte feuilletée. On va ensuite la cuire au four, ce qui va permettre donc de faire gonfler la pâte feuilletée et de concentrer tous les parfums à l'intérieur. Et c'est pour ça que cette expression de casser la croûte est totalement adaptée à la soupe. Paul Bocuse, donc ses mémoires sont parues en 2005, va indiquer s'être inspiré de deux recettes pour créer cette fameuse VGE. Tout d'abord, une soupe au poulet et bœuf agrémentée de truffes qu'il avait dégusté chez des paysans ardéchois, et une truffe recouverte d'un feuilletage qu'on lui a servi lors d'une partie de chasse chez son ami Paul Héberlin, le père de Marc Héberlin, l'auberge de Lille en Alsace. Et il a simplement indiqué au président VGE qu'il a mélangé les deux recettes. Et la soupe VGE était donc née. Et servie également à cette occasion, la célèbre pâtisserie Le Président, dont on aura pardon, l'occasion de vous parler la semaine prochaine. Et Merci Valentin. on va terminer avec une gourmandise en douceur avec Nicole. Alors, merci beaucoup, ça a l'air délicieux vraiment. J'aimerais bien regoûter cette soupe. Alors, on termine, oui, comme tu le dis, avec un peu de douceur, avec un bonbon qui est la bêtise de Cambrai et qui est le fruit d'une belle erreur d'un confiseur. Donc, selon la légende officielle, ce bonbon serait né au 19e siècle d'une erreur d'un apprenti confiseur qui aurait mal dosé le sucre et la menthe et aurait mis de l'air, insufflé de l'air dans la pâte. Jules d'Espinois, qui était son patron, gronda l'apprenti qui avait laissé brûler le sucre et lui dit la célèbre phrase, je cite, « Tu ne sauras faire que des bêtises dans ta vie. » Cette bêtise fut finalement un véritable succès. Le fameux bonbon raté fut très très apprécié par les habitants de Cambrai, donc est une ville située dans le Nord, pardon, car elle est très rafraîchissante et c'est un très bon bonbon. La maison d'Espinois existe encore, bien sûr, et c'est aujourd'hui une des plus anciennes confiseries de la ville. La bêtise de Cambrai, c'est un bonbon qui est 100% naturel et il existe aujourd'hui plusieurs saveurs comme la violette, l'orange, la framboise et la pomme verte. Voilà pour ce moment de douceur. Donc, on vous remercie beaucoup. Cette pause est terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivie. Sachez que c'est un enregistrement qui est en dehors du webinaire. Et pour participer en fait aux anecdotes supplémentaires de nos participants, n'hésitez pas tous les jeudis à 20h30 à nous suivre sur les webinaires. La semaine prochaine, on a comme thème Valentin. Alors, nous retrouverons la semaine prochaine la porcelaine de Sèvres, le célèbre Taïwan, le terme la part des anges, le palace Lutetia, le cocktail Manhattan, l'asperge, la bouchée à la reine et le gâteau président. Merci à tous hein, pour de Merci. À très d'avoir. bientôt. Merci à tous. Au revoir Valentin. Bonne Au revoir soirée. Nicole. Au À revoir. bientôt.